Bonjour, je m'appelle Émilie Nguyen, j'ai fait la formation e-fabrique labellisée Grande École du Numérique. J'ai fait des études en design de produits et j'ai eu mon Master 2 en recherche, innovation, conception, ingénierie aux arts et métiers. Je voulais davantage m'informer sur les medtech. J'aspire à être designer dans le domaine de la santé. J'utilise pas mal le numérique dans mes projets pour gagner en efficacité. Et Fabrique permet justement de faire le lien entre le numérique et le handicap, qui est un secteur qui m'intéresse particulièrement. J'ai approfondi mes connaissances dans le numérique, en gestion de projet, et j'ai fait des rencontres très humaines. Après la formation, j'ai repris un projet qui me tenait à cœur. Mon projet consiste à développer une gamme de produits permettant aux personnes ayant une mobilité réduite au niveau des membres supérieurs d'attraper des petits objets sur une table, par exemple. Mon conseil serait de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Pour les porteurs de projets, il est important de gagner de la visibilité, notamment en participant à des concours. Pour ma part, je participe au concours Leroy Merlin qui consiste à réaliser un produit pour une personne en situation de handicap. Thank you.